Au cœur de la communauté de communes Châteaubriand-Derval, on tisse un fil en or. Partout, par tous les moyens, l'expression crée l'émotion. La culture relie les uns aux autres de mille et une façons. Explorer les destinations d'un lieu où l'on ressent les vibrations. L'élégance des danseuses aux pointes classiques ou au rythme des percussions. L'écho des sons dans un conservatoire où se croisent dextérité, harmonie et scène de vie. J'adore le théâtre ! Théâtre, musique, danse, ici on apprend, on ressent et on partage à tous les âges. Festimum crée les rencontres pour faire rayonner la joie de vibrer à l'unisson. Sur les planches, aux lumières tamisées ou lors de résidences d'artistes, ici et ailleurs comme au Théâtre de Verre, les yeux brillent et les corps s'illuminent. Théâtre de Verre qui amène certains spectacles sur d'autres communes du territoire. Et les grands noms de la profession relaient les artistes locaux aux talents prometteurs. Une programmation construite à l'année ou lors des intercalés avec tous les services de la communauté de communes et les communes, riches de grands moments comme l'être en scène et la folle journée. C'est dire si partout on sait la valeur des lettres, des textes et des mots, et de tout ce qu'offre la lecture. Qu'on la rejoigne dans des navettes allant de médiathèque en bibliothèque, le voyage est le même, profond, singulier, chaleureux, réconfortant et accueillant dans ces lieux culturels de proximité, lieux d'échange et d'animation. Tel un trésor, on peut compter sur 160 000 livres, CD, DVD, revues et ressources numériques. Parce qu'à Châteaubriand-Derval, la lecture est érigée en clé de liberté. La musique emporte sur les rêves, élargie avec la création récente d'un pôle musical intercommunal à Derval, en complémentarité du conservatoire, ouvrant la voie à tous les imaginaires débordant d'envie et de créativité. Ici, on est riche du passé. Témoignage entre Moyen-Âge et Renaissance dans les murs du château de Châteaubriand. Histoire de terres exploitées inscrites dans les forges de Moidon-la-Rivière et de Sion-les-Mines. Mais jamais les souvenirs n'ont empêché la communauté de communes de se tourner vers l'avenir et de faire vivre ce patrimoine toute l'année ou lors d'échanges forts comme la journée du patrimoine ou la nuit des musées. Entrez à l'Office du tourisme pour en ressortir grandi et inspiré. Et faites un détour du côté de la maison du poète René Guy Cadou à Louis-Ferre, lieu unique parrainé par Philippe et Martine Delerme où les résidents artistes croisent l'art et ses formes multiples. Dans la rue aussi, il a sa place. L'art devient street. Les couleurs explosent sur le macadam et la joie se partage au détour d'une rue. Ensemble, les créations forment une dynamique de parcours permanent ou temporaire. Les lieux d'exposition deviennent de jolies surprises de promenade citadine avec ses haltes magiques comme la Galerie 29 en complémentarité de la Microfolie ou encore de la salle d'exposition à Derval. Ces nombreux parcours et résidences offerts aux jeunes générations. L'éducation artistique et culturelle a une place de choix dans le domaine de la musique, avec les interventions musicales du conservatoire, mais aussi dans le domaine des arts plastiques, du théâtre, de la danse, du patrimoine, des musées, des arts numériques. Rencontres d'artistes et des œuvres, initiation à la pratique pour les écoles, collèges et lycées du territoire. 6000 élèves participent chaque année. Dire, écrire, noter, oser, exprimer, c'est sortir de soi-même dans la puissance d'un projecteur ou l'intimité d'un halo de lumière tamisée. En studio, juste et doux, ou sur scène, bien plus fort, les tympans résonnent, les cordes vocales sonnent. Que les trois coups cognent dans nos cœurs, que les voix, les corps et les gorges catalysent la chaleur, le temps d'une œuvre, suspendre nos heures. C'est l'histoire d'un fil en or, un fil qui vibre, qui tremble et qui s'étire. Un fil qui n'en finit pas de grandir. Un tissu unique, fabriqué ici pour ses habitants et touristes, avec une soixantaine de professionnels passionnés et créatifs, de nombreux partenaires et un budget supérieur à la moyenne nationale.